Tu te serres la teuf comme ça, sauf que ça fait point de pression et t'as du coup une grosse giclée comme ça qui t'arrive dans le visage. Non. Bah, frérot, toi, mais je te sens énervé. T'es pas en train de me parler. Non, c'est vrai. La vie, je suis pas seul. La vie, je suis pas seul. Arrêtez. Bon, en tout cas, ce que j'aurais retenu, c'est que tu t'arroses des filles, des mecs et des trans, quoi. Absolument tout. Moi, j'adore le sexe et j'adore l'argent. Et faites pareil pour votre voiture. On y va! Moi, ma compagne me demande de l'insulter généralement. De quoi ? De l'insulter, de la réduire un peu, avec des mots violents. Après, ouais, ça dépend de quel délire tu es avec la personne, mais... Moi, ouais, c'est un peu dominant, être dominé. Moi, j'aime bien être dominé aussi, qu'on me traite de petit esclave. Attends, mais avec arabe, qui, là ? Du coup, j'ai pas mis. Bon, présente tous tes amis, là. C'est qui, le mec, au fond, là ? C'est un ami à toi, ça ? C'est un ami à toi, au fond, là, ou pas ? Mmh. Ah, au fond de la raquette, là. Là, non, regardez sur le toit, juste là, en face. Dans la direction. Il fait quoi, une genre de sentinelle ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah lui ? Attendez ! Mais il est totalement con, ton fils ! Et oui, c'est bien pour ça que c'est pas mon fils, c'est mon... Ouais, c'est celui de ma femme, quoi. Ah d'accord, il tape directement les... D'accord. Il a l'air d'être très violent, quoi, il faut vraiment le cadrer. Il a pas eu une enfance facile, enfin, vous connaissez le dicton, père alcoolique, mère droguée... Enfin, bon. Ça fait... 2 ans qu'elle me voit des messages. Absolument, tous les 3 jours. Et moi, ça me dérange de ouf. Moi, je déteste ça. Ouais. C'est trans qui t'envoie des messages ou c'est la meuf? Ah, la meuf. La trans, ça se passe très bien aussi. Hein. Genre, c'est une vraie pote à moi. Genre, tout se passe très bien. Ah, tu l'as. Moi, j'ai cartouché tout le monde. Genre, avec ça, le mec. Ah, c'est l'histoire à 4. Tout le monde couche avec tout le monde, en fait. C'est ça? C'est une histoire à tous les gens qui sont à la soirée. Tout le monde couche avec tout le monde. C'est serveur. Allez, dis-le que t'es pas un PD. On est des PD, nous? Ah non. Allez, dis-le, je suis pas un PD. Je suis pas un PD. Voilà, c'est ça, c'est mon fiston, ça. Non, je vous permets pas quand même, devant moi, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Super bonne cette gorgée. Ah merde. Bon, en tout cas, ce que j'aurais retenu, c'est que tu t'arroses des filles, des mecs et des trans, quoi. Absolument tout, moi, j'adore le sexe et j'adore l'argent. Et Quand j'ai dit des mecs, j'ai juste rajouté pour rigoler, mais apparemment, tu confirmes, donc. Appartiennent à 200 balles, je fais. Non. Ah ouais, mais trans aussi, t'as bien, c'est ton délire, quoi, Kinder. Ah d'accord. Non, mais comment vrai, ça, vrai, ça c'est un peu de la prostitution, ça. Oui. C'est non. Ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Hé, t'es bras droit, bras gauche, moi je suis Zizi. Ah, t'es le Zizi, toi? Bah, attends, on va essayer de te prendre en double peine, alors. Attends, il va garder pas, attends, il m'attend bien. Oh, les vrais zombies. Oh, il m'a fait... Jackie, Eddie. Oui, c'est quoi, ça? Oh, c'est failli partir en couille. Pourquoi ça tabasse là-bas? Oh là, y'a... Troller. Troller. Bon, je mets des Troller, encore. Slash report, les gars. Et du coup, on se met où? On se met à l'abri? Attendez, il faut qu'on se cache, là. Oh, bande de fils de pute, là! Arrêtez de troller sur le serveur, vous cassez les couilles, là! Non, c'est arrêtez bon, de troller, putain! Bande de pute, va! Ah, c'est qui les bâtards qui font n'importe quoi là, qui niquent les scènes? Allez tous, vous niquez vos races, là, fils de pute dans ton bus, là! Va niquer ta grosse mère! Fils de pute, va! Franchement, c'est vraiment des bâtards. Faites bouger l'avant-bras en gardant vos doigts comme ça. Boum 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 boum. Pour certaines meufs, ça prend plus de fois que d'autres. Maintenant, il faut comprendre que certaines femmes vont adorer et prendre un pied incroyable avec ça. D'autres ne vont pas aimer la sensation. Si vous voyez que la fille n'aime pas, arrêtez tout de suite et n'insistez pas, les gars. C'est de tenir une scène, qu'il n'y ait pas tout le monde qui parle en même temps dans tes membres, tu vois. Ouais, ça casse le truc, ça casse le truc. Normalement, t'es OG, gros, ils doivent te respecter, ils doivent fermer leur gueule quand tu parles. Ouais, t'inquiète. Vas-y, ouais, fais frère, mais plus d'autorité, quoi. N'hésite pas à leur dire, ouais, ferme ta gueule. Mais t'es sur GTA, là. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Sérieux, moi, tu me dis, il est en train de parler à sa femme, attends, on y est, attends deux secondes. Ouais, je rose ta femme qui parle. Excusez-moi, ouais, c'est la maison, ils sont pas en ce moment avec le confinement. Ah ouais. Tu sais que là, par contre, vraiment, la prochaine fois, je teste, hein. Non, mais du coup, David. Oh non. Il a dit oh non, face à moi, je crois. Il a dit, faut que la fille soit face à toi. Et tu bouges juste le bras. Genre, en fait, là, t'en mets tout normal.
Et juste, il a pas l'air de kiffer, hein. Il est un des premiers qui peut admettre un rôle comme ça. La vie de ma mère, franchement, respect, gros respect. Ouais, t'es un tueur. Ah, t'inquiète. T'inquiète, gros, t'inquiète. Même toi, tu fais le daron derrière, t'es un tueur. Ouais, ah, oh, ça vas-y, y est. Vas-y. Non, pas ta mère, ça, fils de pute, va. Ouais, ça me pète, va. Casse les couilles, là. Bon, attends, j'aimerais juste savoir, frère. Je l'ai one tap, la vie de ma mère. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, frère? C'est tout. Donc, vous prenez votre main, vous vous asseyez dessus. 5-6 minutes. Ah non, mais c'est magnifique. 5-6 minutes. Pas longtemps, 5-6 minutes. Le temps de faire venir l'engourdissement dans la main. Et là, dès que vous allez vous les branler, c'est plus votre main. Votre cerveau, il n'est pas capable de comprendre que c'est votre main. Ok, la balance aussi, go go go. Go 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 go. Давай, брось мне баса, зет! Mais c'est horrible, désolé. C'était du pain, je vous l'ai dit les gars, ça a fait ça dans les tribunes. C'était du pain béni les gars, on vous l'a dit. Eh gros, deuxième round, on a pris 300 tics. Il y a le pied-bouche, il y a... Le pied-bouche. C'est quoi ça, le pied-bouche? Attends, on va nous faire une démo sur le lit. Regardez, c'est parti. Pied-bouche, c'est comme ça. Ah, alors, ça, c'est la meuf de la tête, ça, ok? Donc tu vas comme ça et t'as le pied en même temps qui commence, tu vois. Genre le pied sur la bouche, pour pas être la bouche. C'est important, vraiment, en vrai, c'est quelque chose. Et bon. Vas-y, casse-toi, Benzema. T'as jamais fait une carrière en équipe de France, bouffon. Ouais. Je dis pas en Real Madrid, t'as fait le taf, mais t'es naze. T'as toujours été naze en équipe de France. Cher, tu mérites pas d'être sélectionné en Coupe du Monde, cher. T'avais qu'à pas faire la racaille dans les vestiaires, bon. Pourtant, t'as un joueur qui a des qualités de ouf en plus. Hein. Et après, ça pleure dans les médias. Ouais, je comprends pas, c'est des racismes anti-arabes. Je peux pas faire ma Coupe du Monde. Benzema. Oh, ballon de but là pour Karim Benzema. Fais enculer, sale chien de merde, va! Benzema, c'est le genre de situation qu'il aime bien. Ah, il est pas dans un bon jeu, regardez, hein, et ça continue. Eh hey, gros, on a que des couilles. Y'a que des trollers chez nous. Notre putain de coffre, il va pas. Tout à l'heure, notre agent sale, il disparaît. Eh, hey, y'a que des couilles avec nous, frère. Mais vous avez demandé. Okay. Voiture là-bas encore. Eh ouais, on demande, ça fait 5 jours, on demande, on sent mon frère. Bon. Mais frère, d'où tu fais de la pub ici? Vas-y, je vais aller chercher de la pub parce que ton serveur, c'est de la merde. Voilà. Ouais, bon, par contre, la nuit, je suis désolé, mais on va rentrer dans la banque, vous butez. Mais on rigolait, parce que je savais qu'il y avait un putain... Ça me fait pas rire, moi, putain, je suis un daron. J'ai autre chose à foutre que de jouer avec des gamins comme toi, là. Tu te prends pour qui, toi? Qui te pute, toi? Cacher les couilles, là. Nique ta mère. Nique bien ta grosse mère, qui te pute, toi. Il me tue. Ah, mais il a pas tort. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a moyen, même. Ah oui, tu crois? Mais non, pas là-dessus, les gars, impossible. C'est la première fois. Tu vas faire quoi? Je dois envoyer ma teub direct ou... Non, non, parce que ça, en ce moment, c'est pas très bien vu. Odsel est dit. Ah, d'accord. C'est pas comme si j'en avais déjà eu plein. Hein. Ah merde, j'avais pas vu que t'avais le casque. Un casque, ouais, c'est con, moi, j'ai tout entendu. Merde! Ah merde! Putain! Ah oui, la descente. Oh, le mec s'est fait. Oh merde! Oh putain, c'est magnifique! Écoute, s'il te plaît, laisse-moi parler là. Parce que frère, je pense que ça nous gaffe tous, si même on peut même plus parler, ça sert à rien de rester ici. Écoute, là le serveur est en train de buzzer là. Passez-le en putain de whitelist. Il est en train de buzzer. Ça sert à quoi de le laisser en free access? Oh, c'est une piste de pute comme ça qui vient. J'ai parlé sur toi. Maintenant tu passes en free access. Il y a combien de personnes, sur toutes les personnes qu'on a là maintenant, qui vont venir faire un dossier? Sergio Aguero. J'ai l'impression que sur FIFA là ces derniers temps, pourtant il y avait un 11 d'espoir et là il n'y a plus rien quoi. C'est où je m'étais révélé là dernièrement sur FIFA. Je recevais des DM en disant ouais, franchement t'as grave progressé. Tranquille, calme. Tranquille. On veut juste discuter. Je veux juste un mec. Regarde, je veux que je. J'ai pris un rire à 3-2-1. Attends. Voilà, alors. Quoi, quelles sont vos revendications? Qu'est-ce qu'il a fait ça? Moi je vais vous dire là j'ai un... Allez, on s'est mis derrière, allez. Allez, bien joué ça, par derrière. Voilà, commandant. Voilà, fais gaffe, y'en a un autre, je lui mets les menottes. Ah, il est parti de la ville. Ah, le commandant, les gars, gros brain du commandant. Bah alors, arrête là. Elle est mort, bien joué. Oh putain, il va vraiment mourir là.
Bien joué, les gars. La voiture, elle explose. Ouais, bien joué. Ouais, je suis des îles, ouais. Je suis arrivé en France il y a quelques temps en Zodiac. Les couilles, t'as fait quelque chose de grave. Tu vois, je vais te mettre une petite phalange dans ton petit anus. Si tu continues, tu vas me sentir. T'as rien contre les petites douleurs anales. Dis-moi. Ta gueule. Quoi ? Monsieur, il me dit quoi ? Il me dit, vous avez pas des vous êtes pas contre des... Allez, ferme ta gueule. Je parle pas comme ça. Oh, désolé, j'ai agi sous l'énervement, mais bon, écarte-toi d'Arca, je finis ça. Voilà, on va se calmer, on a une pépite d'or là, on va pas. Ouais, faut pas tout envoyer aux soins intensifs comme désolé, là. Désolé, j'ai réagi sous le coup de l'énervement, il m'en a parlé. Calmez-vous. Ramène sa jambe droite, tu sors ta jambe gauche, tu ramènes la jambe gauche, donc toi tes deux jambes elles sont. Ah, bah en gros, t'as versé les chrétiennes quoi. T'as versé les jambes, t'as versé les deux jambes en fait. Voilà, et en serrant le tout, et ben du coup, tu vois, en serrant le tout, ça devient. Tu vois. Mais non. Ok, je vois ce que tu veux dire. I'm a bit preoccupied right now because I nearly got raped and killed by the people in yellow. Je ferai ça plus tard. Qu'est-ce qu'il dit là ? Vas-y, répétez. Je ferai ça plus tard car j'ai failli me faire violer et kidnapper par une équipe de gens en jaune. Ceci n'est pas la priorité. Ouais, non, mais ils sont sérieux, quoi, là. Dites-lui que moi, là-bas, je pensais qu'il était là pour ouvrir un espèce de boui-boui pour faire vendre de la bouffe, quoi. Parce que je sais qu'il est indien et il fait ça bien, quoi. Et en plus, ça va, on a des belles bites. Et je pense. Ouais, non, en vrai, tu sais que c'est vrai qu'on a quand même des belles tubs, quand même. Hein. Pour avoir déjà vu les deux tubs, c'est vrai qu'on a la mienne, donc trois, c'est vrai qu'on a quand même des belles tubs. On a eu de la chance sur ça, je pense qu'on a été bien, on a été gâtés. Les tubes free de la tub. Les tubes free. Les tubes. Enlève le pantalon, d'accord, voilà. J'enlève le pantalon, écarte-moi les... Comment j'ai écarté, s'il te plaît. What am I doing here ? Sortez votre doigt et posez la gélule dans son anus jusqu'au pelvis. This kind of feel good. Je suis en train de rentrer. What the fuck ? Oh. Non, ça rentre pas, attendez. Non, faut que ça arrive jusqu'à l'œsophage, monsieur, faut aller un peu plus fort. Hein. Yes. Écartez plus, ça rentre pas, ça rentre pas. Go stronger, I'm not your mom, you can go stronger. Voilà, il est en train de vous dire, touchez le fond, je ne suis pas votre mère. Exactly. Tape dans le fond, je ne suis pas ta mère, monsieur. Il est en train de vous dire. Voilà. Yes, yes, voilà, ça rentre mieux, ça rentre. C'est bon. Nickel, les gars. Veuillez ne pas manger dans la salle de chirurgie, s'il vous plaît. Oh, je sais, pour les raisons hygiéniques. Ouais, c'est... Oui, hygiénique. Et lavez-vous les mains juste en face après. Oh, bon, monsieur Apu. J'ai niqué mon ramadan. Bon, c'est pas grave. La chloroquine a été pénétrée. Oh, yes. Penetrated by chloroquine. Mr. Apu, how are you feeling? How are you feeling today? How are you feeling today now? I feel happy now. I feel very good. Parce que le pinus... À la limite, quand tu lui lèches les boules. Là, le pinus, par exemple. Oui, vas-y. Mais moi, j'ai pas attaqué, j'ai attaqué les anus. Continue, on était au léchage de couilles. Et bah, léchage de couilles. Non, mais c'est bon. Voilà, ici, là, tu descends et... Ah ouais, je remets des armes dans le mec, il roule trop vite. Voilà, bah. Essaye de mettre un coup de pale, de déchiqueter un mec. Bon, c'était chaud. Voilà, remonte. Oh là 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 là, attends, je remonte. Attendez, j'ai pas très bien compris, Radio, là. J'étais sous un pont, là. Qu'est-ce que vous venez de dire, là ? Ouais, non, en fait, on est en train de voir on est en train de survoler parking central pour voir non, si elle est... Non, coupe. Ah. Vite, on remonte. C'est bon, on remonte, on arrive bientôt, vous en faites pas, là. Mais j'espère que tout va bien, hein. Ouais, tout va bien, mais c'est pour prendre l'altitude, là, on est en pleine ville, là. On est en train de... Vite, descend. Ouais, on est juste... Je vous laisse gérer le 98. Ouais. C'est bon, on a remis l'hélico à sa place, on arrive. On arrive, ouais. Et toi là. Je vous attends en bas. Ok. Réquisition de moto, désolé. C'est bon, on arrive, on a rangé l'hélico. Ouais, mais c'est surtout par rapport à la scène. En mode, oui. Par exemple, nous, on va vous finir. On est en train de vous sucer. Imaginons, on est en train de vous sucer. Non, mais pas vous. Ah. Ok, d'accord. J'étais en train d'imaginer la tabalière, c'est pour ça que je savais pas comment je voulais le prendre. Reste accroupi, je t'ai dit. Mais je suis accroupi. Attends, écarte-toi, cadavre. Maintenant, suce-moi, fais le bruit. Non, je devais l'aider à pisser. Fais le bruit. Encore. Ah, fais-le fort. Mais non, c'est trop gros. Mais t'es sérieux, DMG? Non, fais pas ça, gros.
Bah donc ça veut dire, ah, ouais. Donc ça veut dire nous quand vous bouffez la schneck et que vous et que par exemple vous avez le côté de la moule gauche qui béton trois fois plus bas que le droit, on doit se dire oh, vas-y chelou la schneckose qui béton plus d'un côté quoi. Bah après ça dépend moi. Dans ce cas là c'est pas bah, après c'est pas obligé de continuer hein. Non mais la schneco en mode dindono, je sais pas si c'est... Ah ouais, à part ça peut être une petite pichetelle comme ça dedans, tchut, j'ai rien envie de faire. Y'en a qui ont déjà été confrontés à ça les gars dans le chat. Bon c'est bon, ça s'est bien passé. Pas fini Kadar. Si si si, t'as fini, commence pas, sinon je te ton zizi, ok. Libère-le, je te prends pas les fesses maintenant, fais des bruits. Non, libère-le. Attends, ok, bon. Allez. Patoche. Ah. Laissez-le tranquille. Ouais, toi d'ailleurs, Riri, tu nous parlais tout à l'heure du miroir sur lequel tu fais un squat. Ouais, je fais un... mais ça c'est une super bonne technique hein, pour que ce soit propre au niveau de la nuque. Comme ça, il y a un peu ce qui se passe. Hein non, mais c'est vrai. C'est quoi la technique? Bah en gros, tu te mets sur un miroir, tu te mets en mode pose caca, enfin caca toilette turque. Comme ouais. Ça, t'as un bon visuel sur ton anus. Ça t'évite bah, de te couper, quoi, tout simplement, et de baliser. T'as la nuque bien dégagée, exactement. Ouais. Je sais pas si c'est la bonne version. Allez, on essaye. Ouais, il a enlevé la roue, là, non? On va voir. Allez, c'est parti. Alors, le chat, j'avoue, ça serait énorme. Ah, je la connais, ça, c'est bon, ça. Ok, King V on the mic. King V on the mic, girl. Take it out. Gala, vu qu'il est dans ce, tu me dis que t'aimes quand tu donnes le maximum. Quand on s'embourne dans le sale horizontal. Oh, gala, avec les gants, on se donne du kiff comme personne jusqu'au sommet. Je sais combien à ta beauté fatale. Gala, avec les gants, tu dis que t'aimes quand tu donnes le maximum. Ensemble, on danse à l'horizontale.